Gloire à Dieu. Amen. Qui a du mal à entendre Dieu? N'ayez pas honte. Qui a du mal à saisir la parole, la pensée de Dieu? À saisir son langage. Voilà. Les autres, vous entendez bien le Seigneur, c'est magnifique. Il faut... vous saisissez sa pensée, c'est glorieux. Gloire à Dieu. La foi vient, et ce qu'on entend, et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne sera jamais agréable au Seigneur par les œuvres, par nos jeûnes et prières, non, par les offrandes que nous donnons, mais c'est par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles. Donc, si tu espères avoir un véhicule, ce n'est pas la foi. Parce que le véhicule, tu vois plusieurs véhicules. Ce n'est pas cet évangile-là. Si tu espères avoir une maison, ce n'est pas ça, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et l'espérance de... Éphésiens 4 nous dit que... Paul dit que... Oh, je suis parti sans toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, on peut y aller, hein, que ça soit béni pour son œuvre. May God be blessed for his work. La foi. Faith. Une ferme assurance. A strong assurance. Des choses qu'on espère. Of things we hope for. Dans Ephésiens 4, Paul dit qu'il y a une seule espérance. In Ephesians 4, Paul says that there's just one hope. Et aux Ephésiens, il dit que Christ est notre espérance. And to the Ephesians, he says that Christ is our hope. Donc la foi véritable selon Dieu. Meaning that the true hope according to God est basée sur Christ. Is based upon Christ. Ceux qui ont foi en Dieu, those who rely on God, ne peuvent pas se satisfaire des choses de ce monde. Cannot contain themselves with the things of the world. Tant qu'ils n'ont pas encore vu Christ dans sa globalité. As long as they didn't see God in his fully dans sa totalité. Type, in his fully type. Or, pour avoir cette foi, and in order to have this faith, il faut comprendre, il faut entendre Dieu. We must hear God. Il faut saisir son langage. We must grasp his language. Un des problèmes majeurs que rencontrent les chrétiens. One of the major problems that Christian faith, c'est le langage de Dieu. It is the language of God. Beaucoup ont du mal à saisir son langage. Many people don't know how to understand his language. Sur Terre, nous avons plus de 2000 langues. On Earth, we have over 2000 languages. Rien qu'en RDC, il y a plus de 430 dialectes. In Congo, there are more than 450 dialects. Donc, comment Dieu parle? So how God speaks? Ceux qui ont des chewing-gums, est-ce que vous pouvez les mettre provisoirement à côté, s'il vous plaît? À moins que vous ayez un problème avec de nausée, là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, voilà, le langage de Dieu. The language of God. Vous pouvez écouter vos pasteurs matin, midi, soir. You can hear your pastor morning, evening. Ce n'est pas pour autant que vous allez avoir des percées. It is not for that you will break through. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens sont déçus des églises. And besides, many Christians are deceived, disappointed of churches. Beaucoup connaissent plein, vivent des échecs. Régulièrement dans leur marche chrétienne, dans leur vie chrétienne, dans leur couple. Many Christians are facing failures in their Christian walk. Et il y en a qui vont attribuer leur malheur tout le temps à Satan, aux démons, aux sorciers. And a lot of Christians will attribute their misfortune to Satan, to the demons and stuff. Satan ne peut pas empêcher un enfant de Dieu de percer. Satan cannot stop a Christian from breaking through. Il peut pas nous bloquer. He cannot stop us from breaking through. Il ne peut te bloquer que si tu as des choses qui lui appartiennent. He is only able to stop you if you have things that belong to him. Comment Dieu parle-t-il? How does God speak? Amen. Amen. Comment Dieu parle-t-il? How does God speak? Qu'est-ce qu'il vous a dit dans le secret? What did he tell you in the secret? Qu'est-ce que Dieu vous dit quand vous priez dans votre chambre? What does God tell you when you pray at home? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. God Job nous dit. Speaks either this way or another. Mais souvent, way. On ne prend pas garde. But most of the time, we don't realize. Job 33. To it. Job 33. Nous lisons à partir du verset 14. From the verse 14. Job 33, 14. Le langage de Dieu. The language of God. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette génération? What does God say in this generation? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération? What does God say for this generation? Quelle est la voix prophétique pour notre génération? What is the prophetic voice for our generation? Quel est le message approprié pour à notre génération? What is the appropriate message for our generation? Il est dit qu'il y a une nourriture pour chaque époque.
It is said that there is a nurture for every generation. Père, au nom de Yeshua, Father God, in the name nous te soumettons Jesus, nos pensées. Submit our thoughts que ton règne demeure parmi nous, Seigneur. May your reign be among us, Lord. Que ton peuple soit délivré. May your people be set free. Que tes serviteurs soient éclairés. May your servant be enlightened. Au nom de Yeshua. In the name of Jesus. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. For God does speak now one way, now another. Et l'on n'y prend point garde. Though men may not perceive it. Voyez, frères et sœurs, you see, brothers, Dieu parle à toute la création. God speaks to the whole creation. Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens pour votre information. God doesn't speak only to the Christian for Dieu your parle knowledge. Même aux païens. God even speaks to the pagan. Dieu voulait frapper l'Égypte par une famine de 7 ans, 7 ans de famine. God wanted to strike Egypt through a 7 years famine. Et il a parlé à Pharaon. And he spoke to Pharaoh. Pharaon était entouré des magiciens. Pharaoh was surrounded by sorcerers. Pharaon adorait Satan. Pharaoh worshipped Satan. Mais cela n'a pas empêché le Créateur de lui parler. But this didn't stop the Creator. Nous chrétiens, nous sommes tellement sectaires. We Christians are so sectarian que nous limitons Dieu à nos églises, à nos bâtiments. That we set boundaries to Christ by our buildings. C'est comme s'il ne parle pas aux païens. It feels like he doesn't speak to the Dieu pagan. Parle à sa création. God speaks to his creation. Dieu parle aux païens. God speaks to the Pharaon pagan. Reçut un message clair de la part Pharaoh du Seigneur. Received a clear message from God. Il a eu deux visions qui annonçaient 7 ans de famine. He received two visions foretelling 7 years of famine. Et là, il avait besoin maintenant de l'interprétation de and ces now visions. We needed the interpretation of these visions. Et là, c'est là que Joseph est rentré en jeu. And now Joseph entered. Dieu a parlé à Nebuchadnezzar, un païen, un roi païen qui adorait le dieu Baal. God spoke to Nebuchadnezzar, a pagan king that would worship Baal. Le roi Nebu, hein, le dieu Nebu également. The god Nebu. Nebo ou Nebu. Or Nebu. Nebuchadnezzar que Nebu protège. Nebuchadnezzar that Nebu protects. Dieu lui a parlé. God spoke to him. Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. God spoke to him many times. Il lui a parlé de la fin de temps. He spoke to him about the end time. Il lui a montré cette grande statue. He showed him this great statue. Qui représente le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial également. The new world order. Dieu lui a parlé. God spoke to him about it. Voyez que Dieu parle à tout you le monde. See, God speaks to everyone. Ne soyons pas sectaires, let us religieux. Not be religious nor sectarian. Comment Dieu parle? How does God speak? On a compris que Dieu parle à tout le monde. So we understood that God speaks to everybody. Dieu veut que les païens soient sauvés également. God wants the pagan to be donc saved. Il leur donne des songes. So he gives them vision and dreams. Des songes qu'on appelle prémonitoires. Dreams that we call foretell. Et c'est Dieu qui leur parle. But God speaks to them. Ils n'ont pas forcément le discernement. They don't have necessarily discernment. Si vous ne saisissez pas le langage du Seigneur pour votre vie, if you don't grasp the language of God for your life, vous allez faire du surplace, vous allez tourner en rond pendant des années. You will turn in circle for years for in your life. Vous irez d'échec en échec. You will go from failures to et failures. Et vous allez accuser les autres. And you will accuse other people. Vous allez accuser vos parents. You will accuse your parents. Vous allez accuser vos frères. You will accuse your brethren. Vous allez accuser les pasteurs. You will accuse the pastors. Le problème, c'est le langage de Dieu. The problem is the language of God. Qu'est-ce que Dieu dit? What does God say? Frères et sœurs, brothers, c'est une chose d'entendre Dieu it is parler. One thing to hear God speak. Ça n'est une autre de le comprendre. It is another thing to grasp what he says. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu ici. Everybody is able to hear the voice of God. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre. But everybody will not comprehend his voice. Alléluia. Hallelujah. Vous voyez, nous prêchons ce soir. So here, for example, tonight mais c'est tout, chacun va recevoir le message à sa manière. But each and every one of us will receive the message. On n'a pas tous la même compréhension. We have not Dieu a parlé dans sa parole. God spoke in his word. Mais pourtant, il y a plusieurs sectes. But though there are many qui se réclament de la même Bible. They are claiming to be of the same Dieu n'y est pour rien. Bible. God has no business. Il a parlé par Ésaïe, il a parlé par Moïse. He spoke through Isaiah and through Moses. Il a parlé par Paul. He spoke through Paul. Mais pourtant, but though, il y a plusieurs interprétations. There are many. Il y a eu des guerres de la religion, des sectes, des divisions. Divisions. Il y en a qui se servent de la même Bible pour avoir plusieurs femmes. Many are using the same Bible to have many women. Parce qu'il y avait des hommes polygames comme Abraham, comme David, because they had polygam men comme like Salomon. Abraham, Moses and Solomon. L'interprétation. The interpretation. C'est ça qui pose problème. That's the problem. Dieu a parlé. God spoke. Mais comment définir ce message? How define this message? Comment adapter ce message au temps dans lequel nous sommes. How, adapt the message according to the time we are le langage de Dieu n'est pas le langage humain. The language of God is not the human language. Je prends un exemple. Let me give you an instance. Jésus dans Jean chapitre 2. Jesus in John 2. Il dit he says, aux gens, allons le lire. Let's go on, read va, on va revenir sur Job. We'll get back to Job later on. Jean chapitre 2. John 2. Nous lisons le verset
19. We read the verse 19. Jésus leur répondit. Jesus answered. Détruisez ce temple et en trois jours je le releverai. Destroy this temple and I will raise it again in three days. Les Juifs dirent. The Jews replied. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. It has taken 46 years to build this temple. Et toi, en trois jours, tu le releveras? And you are going to raise it in three days? Mais il parlait du temple de son corps. But the temple he had spoken of was his body. Frères et sœurs, you see, brothers, ces gens qui ont compris mal le message de Christ. These people who misunderstood the message of God. Étaient sacrificateurs. Were priests. Ils étaient scribes. They were scribes. Enseignants de la Torah. Teachers of Torah. C'étaient des grands érudits. They were really, really. Pourtant, ils n'ont pas pu interpréter le message de Christ. But however, they were not able to interpret the message of God. Ils parlaient de son corps. He was talking about his Eux, body. Ils ont compris qu'il parlait du temple. But they understood. They thought he was talking about le problème, temple. C'est l'interprétation. The problem is the interpretation. C'est là que pose, ça pose problème. This is the problem. Dieu parle. God speaks. Il vous donne des songes. He gives you dreams. Il vous donne des visions. Gives you visions. Comme Job le dit. Just like Il Job parle says. Par des visions nocturnes. He speaks through nightly visions. Il donne des songes et des visions nocturnes. He gives dreams and visions. Beaucoup ont reçu des songes et des visions. Many receive dreams and visions. Mais le problème, c'est l'interprétation. But the problem is the interpretation. Si tu interprètes mal le message If du Seigneur, you misunderstood, misunderstand tu peux the message te détruire. Of God, you can destroy your own life. Jésus-Christ a été accusé pour quoi? Why did Jesus was accused? Une des raisons pour lesquelles on l'a accusé, on l'a attrapé, One of the crucifié, he was crucified for, c'était qu'il disait qu'il fallait détruire ce temple et en trois jours il allait le rebâtir. It is because he said that he will destroy this temple and he will raise it again in three days. Frère, vous pouvez avoir toute la connaissance du monde et Brother, mal interpréter le message du Seigneur. You can have the knowledge of all the word and misunderstand the message of God. Comment Dieu parle-t-il? How does God speak? Il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. In one way and another. Ça veut dire quoi? What does it mean? Ça veut dire que si tu t'attends à ce qu'il te parle toujours en songe et en vision, tu passeras à côté. If it means that if you always expect him to speak to you through vision and dreams, you will. Si tu t'attends à ce qu'il te parle par un homme, tu passeras à côté. If you expect for him to speak to you through a man, si tu t'attends toujours qu'il te parle par ton apôtre, ton pasteur, tu passeras à côté. If you always expect him to talk to you through an apostle, you will. Il peut même te parler par un païen. He can even talk to you through a pagan. Parce qu'il est Dieu. Because he is God. Le problème c'est que nous sommes tellement sectaires, nous chrétiens. The problem is that we Christians are so sectarian. Que nous avons du mal à interpréter son langage that du maître. We have a hard time to understand the language c'est of the Father. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens And n'ont that's pas foi. Why many Christians have no faith. Ils ne sont pas agréables au Seigneur. And they are not pleasing to God. Ils s'attendent tellement aux hommes. They expect so much quand on les men, hommes ne sont pas là, ils prient plus. So when men are no longer there, they don't pray anymore. Vous enlevez les pasteurs, les apôtres, les chrétiens ne prient plus. If you take away the apostles and pastors, Christians, they don't pray. They Parce don't pray anymore. Ils n'ont pas une vision globale de l'œuvre de Dieu. Because they don't have a global vision of God. Alléluia. Hallelujah. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. However, in one way and another, God speaks. C'est-à-dire qu'il change sa manière de se révéler. Meaning that he changes en fonction des saisons. Of revealing himself according to the seasons. Dieu a établi quatre saisons. God has established four seasons. Genèse nous en parle. Genesis speaks about si c'est l'été, if it's summer, n'attendez pas qu'il vous parle comme si c'était l'hiver. Don't wait for him to speak as it was in winter. Je prends un exemple. Pendant Let l'hiver, give you an example. During Dieu winter peut vous time, demander God can ask you de vous habiller de mettre un manteau. To dress with a coat. Et pendant l'été, and during summer, il vous demandera de vous mettre un t-shirt. He will ask you to wear a shirt. Mais si vous attendez que en plein été que le Seigneur vous demande de vous mettre un manteau, vous allez passer à côté. But if you wait for him to ask you to wear a coat during summertime, you will misunderstand. Alléluia. Hallelujah. Et beaucoup ont du mal à saisir la pensée and du Seigneur. And many have a hard time to understand. Je prends un autre exemple. Let me give you another example. Dieu dit à Pierre. God says to Peter. Va à la mer. Go to the sea. Le premier poisson que tu attrapes ouvre sa gueule. The first fish you will get, you will catch. Prends cette pièce de monnaie et viens payer l'impôt pour toi et moi. Open his mouth, take the cone out of it. Ça c'est le langage de Dieu. For you and me, this is the Pierre language of God. Pierre était pêcheur. Peter was a fisherman. Il est né dans la pêche. He was born in fish. Il a grandi en tant que pêcheur. In fishing, he grew up as il a fisherman. Connaissait la pêche. He knew how to fish. Il n'avait jamais attrapé un poisson. He had never caught a fish. Et trouvé de l'argent dans sa and gueule. And found coins into his mouth. Mais imaginez Pierre pendant qu'il allait pêcher. But now trying to imagine Peter while si fishing. Si les gens qu'il rencontrait lui posaient la question If où vas-tu? The people was passing by would ask dans where are you going humaine, to?
in the human logic, si tu veux avoir de l'argent, il faut aller voir ton banquier. If you want to get money, you need to go to the banker. Imaginez Pierre qui répondait, je vais chercher de l'argent. Try to picture Peter saying, I'm going to get money. Je veux retirer de l'argent. I am going to withdraw money. Mais à quel distributeur? To which withdrawal machine? Imaginez Pierre qui répondait à la mer. Now try to imagine Peter saying, tu vas attraper un poisson, qui va le premier qui va venir. Fish, the first that will come. Pierre, mais tu n'as jamais, on n'a jamais Peter, vu cela. We have never seen that before. Mais c'était le langage de Dieu. That was the language of God. Pierre devait se soumettre. Peter needed to be submitted celui to qui it. Reçoit le langage de Dieu, he will receive the language of celui God, qui comprend le langage de he Dieu, understands the message peut, of God, être, peut paraître ridicule. Can appear to be a fool mais si vous vous arrêtez people, à ce que les gens vous comprennent, but if you stop to the words of people, vous ne ferez jamais l'œuvre dans le royaume de Dieu. You will never do the work of God in the kingdom. Alléluia. Alléluia. Parce que le langage de Dieu, because the language of God doit susciter de la foi en toi. To arouse and create faith. Or, la foi, c'est quoi? What is faith? La foi, c'est prendre le risque. Faith is about taking a risk. Personne n'a jamais attrapé, trouvé de l'argent dans un poisson. No one has ever found coin in the mouth. Mais toi, of par la foi, fish, tu vas être le premier à le faire. But you, through faith, you will be the very first person doing it. Alléluia. Hallelujah. C'est ça le langage de Dieu. This is the language of God. Vous comprenez, frères et sœurs? Do you realize they understand, brothers and sisters? Oh Dieu, ce soir je prie, parle-moi en songe et vision. Father, tonight I pray, speak to me through vision and dreams. Y a rien. Nothing. Et très souvent quand on fait des jeûnes, de longs jeûnes pour que Dieu nous parle, il ne parle pas. And very often when we fast a lot for him to talk to parce us, qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de toi. He doesn't have to receive no order from you. On va jeûner pendant trois jours. You will fast 3 days. Et on s'attend à ce qu'il nous parle en songe, en vision. And we expect him. Rien. We expect him to talk to us. Et quand tu sors de ton jeûne, and when we come out of this fast, tu arrives au travail, you go back work. Et c'est là que ton patron s'énerve contre and toi. And now your pastor is getting your et tu n'as pas su interpréter que sa colère était le langage de Dieu pour toi. And you're not able to understand that his anger was the message for you because we were too much religious. Qui reconnaît qu'il est religieux? Who realized that he is religious? N'ayez pas honte, hein? Don't be ashamed. Alléluia! Alléluia! Wow! Dieu est grand. God's great. Oui, frères et sœurs, comment Dieu parle? You see, brother and sister, how God speaks. Tantôt d'une manière, in a way, tantôt d'une autre. And another, and pourquoi another. Nous voulons qu'il y ait seulement une seule manière? Why do we want just one manner, one way of talking? Je vois la prière, faut absolument que Dieu me parle. I'm going to pray. God necessarily needs to speak to me. Comme ça. He will not speak to you that c'est way. C'est pas toi qui dois le commander, it c'est lui qui doit te commander. It is not up to you to control him. He is the one who is in charge of controlling you. Alléluia. Alléluia. Il dit aux apôtres, he says to the apostles, Lazare, notre frère, dort. Lazarus, our brother, he sleeps. Il parlait de la mort. He was speaking about death. Les apôtres ont compris qu'il parlait du sommeil. The apostle thought he was talking about slumber. Voyez le danger? Do you see the danger? L'interprétation. Here? The interpretation. Dieu te dit, je t'appelle au ministère. God calls you to the ministry. Toi, dans ta tête, tu es pasteur apôtre. And you, in your mind, you are pastor. Tu rentres apostle. Dans le ministère. You get into the ministry. Tu commences à avoir des grosses attaques. And you begin to have to face. Et tu attribues cela au Seigneur. Big attacks and you attribute that to God. Dieu te dit, je t'appelle. God says, I'm calling you. Mais il te dit pas. Il faut rentrer tout de suite dans l'appel. But it doesn't say that you need to enter right now in the ministry, the language of God. Il ne parle pas comme nous. He doesn't speak as we do. Dieu parle par des énigmes. God speaks through enigmas. Bah oui. Yes. Il dit à Jérémie, que vois-tu? He says to Jeremiah, what do you see? Il dit, je vois un amandier. He says, I see an almond tree. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. He says, I watch over my word to accomplish. Donc ça veut dire quoi? So what does it mean? Pour Dieu, for God, quand un amandier fleurit, when an almond tree, cela signifie que la parole flowers, doit s'accomplir. Flower, it means that the message is to be accomplished. C'est le langage du Seigneur. It is the language of God. C'est pour cela qu'il nous donne le don de discernement. And des that esprits. Is why he gives us the gift of discernment of the spirits. Bah oui. Alléluia. Alléluia. L'interprétation du message de Dieu. Of the message of God. C'est pas facile, hein? This is way not easy. Et si tu ne saisis pas son langage, and if you don't grasp his language, tu vas gâcher ta vie. You will spoil your life. Tu vas tourner en rond. You will turn in circle. Oh, Dieu m'a parlé. Oh, God spoke to Dieu me. M'a parlé. God spoke et to me. Et à la fin de temps, il te dira. And at the end of the day, the Lord je ne t'ai pas parlé comme ça. I haven't spoken to you like that. Il dit à Pierre, he says to Peter, voilà, il y a une nappe qui descend du ciel. Pierre était sur le toit de
la maison de Simon. There is a cloth going descending from heaven. It was on the roof. Pierre voit une nappe qui descend Peter du ciel. Sees a cloth descending from heaven. Et dessus, il y avait toutes sortes d'animaux. And above it, every kind of animals. Il y avait plein d'animaux impurs. Every type of unclean animals. Toutes sortes d'animaux impurs. All types of unclean les animaux impurs. Et une voix lui dit, lève-toi, tu es mort. And voice says, kill and eat. Tu as parlé. God spoke. Pierre a entendu la voix. Peter heard mais il the n'a pas saisi le message. But he did not understand the message behind. Pierre conteste avec Dieu. God contacts with God. Il lui dit non, je n'ai rien mangé d'impur depuis says, mon enfance. I have never eaten nothing unclean jamais. Since my child's birth. Voyez? My childhood. En fait, quand Dieu lui disait lève-toi, tue et mange. Actually, when God said him kill, get up, kill Pierre and eat. L'a interprété littéralement. Peter he interpreted literally. Alors que le message c'était quoi? Well, the message was lève-toi. Get up, évangélise les païens. Evangelize the pagans. Gagne-les dans mon royaume. Gain them in my kingdom. Pierre a compris qu'il fallait qu'il tue physiquement Peter et qu'il mange. Peter understood that he needed to physically kill and eat. Il était déjà apôtre. He was already apostle. Il avait déjà reçu l'onction. He had already received. Mais pourtant, il a mal discerné le langage de Dieu. But he did not comprehend the message of God. Et toi et moi? What about you and me? Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qui peut vous empêcher de comprendre le langage de Dieu? Do you know what can stop you from understanding the message of God? D'abord le racisme. First of all, racism. Vous savez pourquoi Pierre n'a pas saisi le message? Do you know why Peter did not understand the message? Quand Dieu lui disait lève-toi, tue et mange. When the Lord said stand up, kill and eat. Parce que Pierre était raciste. Because Peter was racist. Racist. Il était déjà apôtre. He was already apostle at Il that était time. Raciste. But he was racist. Pour lui, Jésus était réservé aux Juifs. For him, Jesus was reserved to the Jews. Et maintenant, quand Dieu lui dit, lève-toi, tu es mange. And now when God said, Jesus, God says, stand up, kill and eat. Il dit, non. He says, no, no. Dieu l'amène chez Corneille. God brings him to Cornelius. Il arrive chez Corneille. He gets to Cornelius. Il dit, savez-vous qu'il est interdit à un juif says, de se lier d'amitié à un païen? He says that, do you know that this is prohibited for a Jew to be friend with a pagan? Il est interdit aux juifs d'être ami des païens. He is prohibited for a Jew to Mais be Dieu friends m'a appris. With pagan, but the Lord told me à regarder les hommes comme il les voit. To look at people just like God sees them. Frères, brothers, le racisme racism peut t'empêcher de saisir la pensée de Dieu. Can stop you from grasping the thought of God. Dieu te dit, God says, voilà, look, ta bénédiction c'est auprès de telle personne. Your blessing will be beside such person. Une femme qui demande au Seigneur le mariage. Such woman asking to God for marriage. Une femme antillaise. A West Indian woman. Dieu lui dit ton mari c'est un Sénégalais. The Lord says your husband is Senegalese. Voyez frères et sœurs. You see brothers. La culture. Dis à ton voisin la culture. Culture. Tell your neighbor the culture. Non, Seigneur. No, Lord. Ça c'est le diable. This is the devil here. Vrai ou faux? Right or wrong? Voyez comment nous sommes enfermés dans nos cultures. You see how much we are shut in si our Dieu cultures. Vous ouvre les yeux, vous verrez que beaucoup de chrétiens sont dans des bocaux. Ils sont complètement enfermés dans leur dénomination, culture, dans leur. C'est impressionnant. If the Lord opens your eyes, you will see how much people are shut into their cultures and traditions. Oh, les Français sont comme si. Oh, French people are just like that. Et les Arabes sont comme ça. Arabian people they're les Noirs like sont that. Comme si. Black people like that. Donc du coup, on a du mal à interpréter le message, à saisir la pensée du Seigneur. So because of it, we have a hard time understanding the message and the thought of God. Oh, moi, Dieu ne me parle pas. Oh, God doesn't speak to si me. Dieu te parle. God talks to you. He le speaks to you. Le problème, c'est toi qui ne saisis pas. But the issue is that you do not understand. Un autre exemple. Another example. Tu es noir. You are black. Tu n'aimes pas les Européens. But you don't like European people. Voilà qu'un Européen prêche un message fort. And here a European person preach a strong message. T'es tellement raciste. You are so racist. Que tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? That you say that, what can he give me? Tu le zappes. And you just pass Mais away. Mais tu zappes le message de Dieu pour toi. But you neglect the message of God towards you. Si Dieu a dit que c'est cet Européen-là qui a le message du temps, if the Lord says that this is this European that has the message of the time, si Dieu a dit que c'est lui sa bouche, if God said that he is his mouth, mais t'as pas le choix. Brother, you have no choice. Est-ce que vous comprenez un peu? Do you understand? Le langage de Dieu. The language of God. On tâtonne parfois là. Sometimes we feel around. Oh, je ne sais pas trop ce que Dieu attend de moi. I don't really know what the Lord expects from me.
ton succès, your success, dépend de la compréhension que tu as du langage de Dieu. Hinges upon the understanding that you have of God. Ta percée spirituelle, your spiritual breakthrough, dépend de ta manière de saisir la pensée de Dieu. Depends on your way of understanding the message of God. Job dit, and Job says, dans Job il est dit, in Job it is said, il parle par des visions, par des songes, par des visions nocturnes. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men, quand les hommes sont livrés en profond sommeil, when deep sleep falls on men, quand ils sont endormis sur leur couche, as they slumber in their beds. Alléluia. Hallelujah. Parce qu'on est tellement souvent perturbé par tout ce qui nous entoure. Because we are so often perturbed by the things Dieu, around us. N'est-ce pas, that sometimes the Lord parler quand nous sommes profondément endormis. Prefer talking to us when we're in deep sleep. C'est là qu'il vient nous parler. And this is when he comes to qu'il talk vient nous to avertir. Us and warn us. Et l'objectif de ce message, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous parle-t-il? Message, why does God speak to us? Pour nous donner des avertissements. He may speak in their ears and terrify them pour nous with instruire, warnings to turn men from wrongdoing. Afin de nous détourner, n'est-ce pas, du mal. To turn men from wrongdoing. Alléluia. Hallelujah. Et aussi, il parle par la douleur. And keep him from pride. Vous savez, toutes les souffrances auxquelles nous sommes exposés. You know, all the sufferings we're enduring. C'est comme Job. Just like Job. Job craignait Dieu, oui, Job, oui ou non? Feared God, did he? Job perd sa famille, ses enfants, ses richesses. Job lost his richnesses, his family. C'était le langage de Dieu. It was the language of God. Voyez, frères et sœurs. You see, brothers and mais sisters. Mais si Job s'était arrêté aux critiques de ses amis. But if Job had considered the criticisms of his friends, il n'allait pas interpréter correctement le langage de Dieu. He wouldn't have understood the message of God in the proper way. Dieu veut nous parler. God wants to talk Dieu veut to vous us. Parler tous les jours. God wants to speak to you every day. Vous savez pourquoi il veut nous parler? Do you know why he wants to talk parce to us? Parce qu'il sait que sans lui, nous allons échouer. Because he knows that without him, we will fail. Vous risquez d'épouser des sorciers? You may get married with sorcerers. De collaborer avec des satanistes? To collaborate with d'aller satanists. D'aller en enfer? To go to hell. Si vous n'écoutez pas Dieu? If you do not hear God, listen to God. Alléluia. Hallelujah. Je prends un exemple. Let me give you an example. Dieu dit à quelqu'un, God says to somebody, bâtis-moi un temple. Build a temple to me. Selon le Nouveau Testament, according to the New Testament, nous sommes, nous chrétiens, les temples de Dieu. We Christians are temple of God. Dieu ne veut plus d'un temple physique. God doesn't want a physical temple mais anymore. Celui qui reçoit ce message, but he who receives this message, peut bâtir un temple physique. Can build a physical temple. Et s'attirer toutes sortes de problèmes. And attracts every type of issues to him. Oh non, Dieu m'a dit de construire un temple. Oh, no, the Lord told me to cotisons. Build a temple. Cotisons. Let us contribute. Et cette personne là, and this person here, qui a mal interprété Dieu, that son langage, misconcepted the message of God, peut se mettre la pression. God can put too much pressure on him. Et rentrer la compromission. And enter into compromise. Oui, frères et sœurs, le langage du Seigneur. You understand, brothers and sisters, the le langage of God, de Dieu. The language of God. Qu'est-ce que Dieu te dit what à toi? Does God tell you? Comment est-ce qu'il te parle chez how toi? Does he speak to you at home? Alléluia. Alléluia. Il parle par la parole. He speaks through the word. Mais n'allez pas pointer vos doigts comme ça à nous voir la Bible comme des... Comme des, c'est pas un gris-gris. But don't you go and point the scripture like that? It's not some type. Je l'ouvre au hasard, je pointe mon doigt comme ça. I'm open it like randomly and I point my yeux, finger like that. And when I open up my eyes, voilà, Dieu m'a parlé. God spoke to me. Ça here. C'est la sorcellerie. This is witchcraft, brothers. Qui fait ça? Who does that? Levez les mains un peu. Dis à ton voisin, il faut arrêter ça. Tell your neighbor, stop it. Alléluia. Alléluia. Il parle par des songes et visions. He speaks through visions il parle and dreams par sa parole. Through his word. Tu médites un passage, ah, ça te touche. When you meditate a passage, woo, it touches you. Il parle par la pensée. He speaks through the mind. Tu t'apprêtes à prier, à manger. You're about to eat. Une pensée te vient, ne mange pas. A thought is coming through your mind, don't va prier. Eat. Go and pray. Mais c'est Dieu qui te parle. This is the Lord that speaks to you. C'est à toi de l'interpréter. It is to you. It is up to you to va prier. Interpret. Va prier. It. Va prier. Go and pray. Go and pray. Il y a comme pray. Une lutte en toi.
It's just like a struggle. D'un côté, il y a la nourriture. In one side, de l'autre, la food, prière. And another side, prayer. Qui vit cela? Who lives it? Alléluia. Hallelujah. Et qui a du mal à obéir? And who finds it hard to obey? Voyez, nous sommes nombreux, hein? You see, we are numerous of us. Alors, qu'est-ce que vous voulez que nous vous apportions? What do you want us to bring you? On ne peut rien pour vous. We cannot do anything for you. Parce que vous êtes désobéissant. Because you are disobedient. Regarde, tu dors. You sleep. À 4 du matin, le sommeil se coupe. 4 a.m. the sleep stops. Tu comprends pas. You don't understand why. Non, c'est pas normal. Oh, it doesn't make sense. Je dois encore dormir parce que je travaille tôt le matin. I need to sleep again because c'est I, pas normal. I work early in the morning. Il faut que mon pasteur prie pour moi. My pastor needs to pray for me. Dis à ton voisin, c'est pas un problème de pasteur. Tell your neighbor it's not a problem of pastors. C'est Dieu qui te réveille. It is God that wakes you up. Alléluia. Hallelujah. Que la puissance de la sorcellerie soit brisée ici au nom de Jésus. May the power of witchcraft be broken down up in this place in the name of Jesus. Un sorcier là qui est complètement There's a witch that is dévoilé. Completely exposed. Vous voulez pas abandonner la sorcellerie. Vous you don't want to abandon witchcraft. You will die here. Vous voulez endormir les gens ici. You want to get people to sleep. Faut pas vous mesurer au créateur. Hein. Don't measure up. You don't measure up. Il y a un sataniste qui a été envoyé ici. Là. There is a satanist that was sent here. Les anges peuvent t'attraper là et te fouetter bien comme you il faut. You know, the angels can get you and whip you as they ought to. Vous jouez avec Dieu. Hein? You play around with God. Faut se calmer. Hein? You better be still. Dis à ton voisin, faut te calmer. Tell your neighbor, you better be still. Le sommeil se coupe. The sleep. Stops. Oh Seigneur, s'il te plaît. Lord, please. Accorde-moi encore quelques heures. Grant me more hours. Le fait que tu n'aies plus sommeil, c'est Dieu qui permet cela afin que Just tu the fact that you are no longer C'est le asleep. Langage de Dieu. It is the Lord that allows it. This is the Parce language se of God. Parce que à 4 heures, un sorcier vient pour t'attaquer. Because it turns out that at 4 a.m. a sorcerer came to attack L'interprétation you. L'interprétation du message. The interpretation de Dieu. Of the message. Tu es là? You hear, tu sens comme s'il y a un feu sur toi. You feel like there's a fire upon you. Tu commences à parler en langue. And you begin to speak Dieu in tongues. Dit, and va t'enfermer, prie. Go lock you up and pray. Toi, tu ne comprends pas. But you don't understand. Tu es là, tu es dans la distraction. Like, tu prends ton téléphone. You take your phone, tu allumes la télévision, you l'ordinateur. Turn on TV and computer. Et cette onction s'en va. And this anointing just passes away. Oui. À qui cela arrive-t-il souvent? To who? Does this thing often often happen? C'est ça le langage de Dieu. This is the language of God, beloved. Tu pries, Seigneur. You pray, Lord. Je veux du travail. I want to work. I want a job. Un travail où je veux te glorifier. I want a job in which I can glorify you. Seigneur, aide-moi. Lord, help me out. Tu travailles déjà. You work already. Et tu vas être convoqué quelque part. And you will be convoked someplace. Pour un entretien. For an interview. Tu es convaincu qu'on va te prendre. And you're convinced that you are going to be hired. Tu as le profil. Because you have the nice profile for this work, for this job. And you get there. On prend les mauvais. They take all the bad ones. Et toi, and you, on te refuse. You are left behind. Au lieu de comprendre que c'est le langage du Seigneur. Instead of understanding that this is the message of God. Because you fear him. Je parle à ceux et celles qui craignent Dieu. I'm talking to those who fear God. Mais toi, dans ta tête. But you in your mind. Dieu ne m'aime pas. Oh, God doesn't love me. Love je souffre pour lui. I suffer for him. Il ne m'aime pas du tout. Doesn't love me at all. Tu commences à l'accuser. And you begin to accuse him. Alors que ce refus est le langage du Seigneur pour te protéger. While actually this refusal is the language of God to protect you. Beaucoup ont du mal à interpréter le langage du Seigneur. Many find it hard to interpret the message of God because of racism. De l'amour pour le ministère. Because of the love of the ministry. Ils aiment also. Le ministère plus they que Dieu. They love the ministry way than. They love God. Vouloir confier une responsabilité. You just entrust them a responsibility. Ils ne veulent plus la lâcher. They don't want to leave it anymore. Ces gens-là. This type of people. Ne pourront jamais interpréter le langage du Seigneur. Will never be able to comprehend the message of God. Ah c'est moi. Ah c'est moi. Ah c'est moi. Ah c'est moi. It's me. Me. Ils sont. Qu'il y a du monde là. Ils sont. When there are people, tout oh, they are just blushing like that. Le langage du Seigneur. The language of the Lord. Dieu dit à Isaïe.
God says to Isaiah, va voir Ézéchias. Go to Hezekiah. Dis-lui qu'il va mourir. Tell him that he's going to die. Ézéchias, Isaïe va voir Ézéchias, le roi. And Isaiah goes to Hezekiah. Il lui dit, Dieu m'a dit, prépare-toi, prépare les effets, tu vas mourir. Get ready because you're going to die. Isaïe s'en va. And Isaiah just leaves. Ézéchias prie, pleure. Hezekiah, he prays and cries. Il dit qu'Ézéchias n'avait, n'était même pas encore sorti de la maison. The Bible says that Isaiah had not even left the house yet. That the Lord told him, voir Ézéchias. Go back to Hezekiah. Et dis-lui qu'il ne mourra and point. Tell him that he will not die. Celui qui est religieux. He who is religious. Qui est dans le raisonnement. That is in reasoning. Isaïe will say that Isaiah. Tu te contredis. You contradict me. Tu as dit Dieu a dit qu'il allait mourir et God tu reviens said, même pas une heure après il ne va plus mourir. God said that you will die and 1 hour after you come c'est back. C'est ça le langage de Dieu. That you will not die. This is the language of vous God. Comprenez? Do you understand? C'est à vous d'être sensible. It is up to you to be sensitive. Si vous êtes trop raisonneur, if you are too much into reasoning, trop figé, too fossilized, trop sérieux, too serious, vous n'allez jamais saisir la parole du Seigneur. You will never ever comprehend and understand the message of God. Amen. Amen. Le Seigneur dit, the Lord says, allez à tel endroit. Go to such place. Il dit aux apôtres, vous trouverez un homme qui porte une cruche sur sa tête. You will find somebody who is wearing a pitcher upon his head. Et dites-lui, and tell him, le maître dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. The master says, where is the place in which I will eat the Passover with my quand disciples. Quand on lit ce passage, sorry. Quand on lit ce passage, when we read this passage, on ne s'arrête pas dessus. We don't de manière stop générale. On it in the general point. Pourtant, il y a quelque chose de bizarre là. But however, there is something really odd here. À cette époque, because at a time, les hommes n'allaient pas puiser de l'eau. Men would not go and draw c'était water. C'était un travail de femme. It was a work of women. Mais là, Jésus dit que non, ça va être un homme. But here Jesus said, no, this is les a man that will draw contester. Water. The apostle could non, contradict, saying, no, you misled. Un homme qui porte une cruche. A man that is wearing, that is holding and bearing a pitcher. C'était pas courant à l'époque. It wasn't, it wasn't common. Le langage de Dieu. The language of God. Écoutez, Élie. Elijah. Était un grand prophète. He was a great prophet. Il était craint par le roi Achab. He was feared by the king Ahab. Vous savez comment Dieu lui a parlé? You know how did Dieu God dit, speak to him? He said, va à Sarepta. Go to Sarepta. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. I ordered a widow to nourish you. Le langage de Dieu. The language of God. Élie, le prophète Elijah, juif, the Jewish prophet, reçoit l'ordre, received the order, d'aller dans un pays païen, to go into a pagan country, pour être nourri par une païenne, to be nurtured by a pagan, et une veuve, and a widow, et à qui il restait seulement son dernier repas, and to whom was left just the last plate, the last dinner. Pour rendre compte le langage du Seigneur. Do you realize the language of God here? Tu t'attends ce que le Seigneur t'envoie un riche pour te soutenir. You expect God to send to you a well-off man to sustain you. Une personne pauvre. But God sends to you a poor person. Mais si t'es tellement incrédule, but if you are too much tu diras, là, c'est le diable. You will say, no, here pourquoi this is the devil. Pourquoi Dieu ne m'a pas envoyé Bill Gates? Why didn't God send me Bill Gates? Alléluia! Alléluia! Le problème, c'est quoi? What is the problem here? Tu reçois la parole de Dieu. You receive the word of God. Et cette parole crée la foi en toi. Creates faith within you. Et avec la foi, on peut tout. And with faith, we were able et to Élie, everything. Avec la foi, and Elijah, with il a faith, enrichi la pauvre. He enriched the widow. Alléluia! Hallelujah. Le langage de Dieu. The language of God. Voyez comment Dieu parle? Do you see how much how God speak? Elle était veuve. She was widow. Elle était pauvre. She was poor. Elle préparait son dernier repas. She was getting prepared her last dinner. Et c'était dinner. Elle la partenaire d'Élie. And she was the partner of Elijah. Seigneur, je veux me marier. Lord, I'm going to get married. Je t'envoie un homme qui ne sait pas s'habiller. God sent to you somebody who is, he doesn't know how to get dressed. Il n'a pas le style. He doesn't have, he is styleless. He doesn't have any style. Alléluia. Hallelujah. Et Dieu te dit celui. And the Lord says, Seigneur, it is au him. Nom de Jésus. Jesus, in the name of Jesus, arrière de moi Satan. Depart from me, Satan. Mais tu ne sais pas qu'avec la foi, but you do not know that tu dois faith, changer cet homme. You can change this man. Alléluia. Hallelujah. Dis à ton voisin, nous sommes charnels. Tell your neighbor, you are fleshly.
Seigneur, travaille mon cœur. Lord, work my heart. Change-moi. Change me. Et tu arrives à l'assemblée. And you get to the assembly. Tu demandes à être changé par Dieu. And you ask God to change you. Tu arrives à la prière. You get to prayer. Personne ne te dit bonjour. Nobody say hi to you. Et tu commences à voir aussi le visage bizarre. And you become to have a weird countenance. Moi non plus, je ne veux saluer personne. I will salute nobody. Dis à ton voisin, ça c'est un langage, un comportement païen. Tell your neighbor, this is a pagan behavior and attitude. Hallelujah. Hallelujah. On a des problèmes. Hein? We have problems. Oh Seigneur, moi j'ai reçu une vision. Oh Lord, I received a vision. Je veux construire telle chose. I will construct mais such regarde, things. Ça fait combien de temps que tu dis ça? How long have you been saying that? Et là j'avance. Hein? And the ages you are getting on in years. Sur le lit de mort. On the dead bed. Tu seras là en train de dire, Seigneur, je vais faire. You will still saying, Lord, I am going je to faire. Do. I am going mais tu n'as pas do. Vu que tu n'as rien fait encore? But you didn't you see that parce you, que tu n'as pas saisi Dieu. Do anything because you did not understand God. Qui veut saisir le langage who wants to grasp the language of God here? Le langage du Seigneur, the language of God, ça peut être ta femme, can be through your wife. Qui a un caractère dur. That is really, you know, moody. C'est ça le langage du Seigneur. And this is the language of God. Pour te changer, dis à ton voisin, c'est pour te changer. Telling the brothers to change you. Seigneur, je veux qu'elle se convertisse. Lord, I want her to be converted. Dieu dit non encore 5 ans. The Lord says no, no. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il est écrit. It is written. Crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord. Tu seras sauvé toi et ta femme. You will be saved, you and your wife. Dis à ton voisin, Dieu connaît ce passage. God knows this scripture. C'est lui qui l'a écrit. He's the one who wrote it. Le problème c'est que but the problem is, tu dois être changé. You need to be changed. Alléluia! Alléluia! Dieu dit à Jonas. God says to Jonah. Jonas. Jonah. Oui, Dieu. Yes, Lord. Va à Ninive. Go to Nineveh. Moi, Jonas. I, Jonah. À Ninive. To Nineveh. Pour aller délivrer les Assyriens. To go and deliver the Assyrians. Nos pires ennemis. My enemies. Jamais. Never ever. Dieu. God. C'est une occasion. It is. An occasion pour toi et pour nous for you and for us de détruire les Assyriens to destroy the Assyrians parce qu'ils sont de grands pécheurs because they are great sinners et toi qui es miséricordieux but you were merciful, tu me demandes à moi Jonas you ask me to me Jonah qui suis avec mes compatriotes combattus par eux who is with my comrades d'aller leur dire que Dieu veut le sauver against que Dieu veut le sauver. That God wants to save them. Jonas prend sa bourse. God takes his money. Il prend un bon billet d'euros. He takes a ticket. Il paye le billet. He paid a fare. Il dit, je vais me sauver loin. He says, I'm going to flee away. Le langage de Dieu. The language of God. Dieu va t'envoyer parler à tes ennemis. The Lord is going to send you and speak to your enemies. Dieu. This is the language of God. Il va te dire, va les bénir. He will say, you go and bless c'est them. Ça, le langage this de Dieu. Is the language c'est quand of God. Te lapide, it is when you are getting stoned. Comme just like c'est là Stephen, que tu te dis, bénis. It is when you say, Seigneur, bless. Il me lapide, là. Lord, may them stone Seigneur, me. Il me lapide, là. They are stoning me. Je dis justement, the Lord say, yes. Bénis-les. Bless them. Souvent, nous allons voir le Seigneur avec des dossiers compliqués. Often, we go to God with very serious files. Plein de chefs d'accusation. Many, many accusations. Seigneur, mon mari m'a fait ci. Lord, look what Seigneur, my husband fait ça. Did. Look, Seigneur, ma femme did m'a fait ci. My wife mon did oncle that. A fait ça. My uncle did ma tante that. A fait ci. My, how, Seigneur, my tu as vu les frères ont fait ci. You saw my brother did that. Et quand tu as fini, tu as fini. And when you're done, it's like Satan aussi vient te remplacer. Satan go and Seigneur, and tu as vu, il a fait ça. Lord, you see, il a fait ci. He did that. He did maintenant, that. Où est la différence entre so toi et le diable? Where is the difference between l'accusateur you and de the frère. Devil, the accuser Alleluia! Of the brother. Le langage de Dieu. The language of God, beloved. Alléluia! Alléluia! Qui veut changer? Who wants to change? Nous allons changer. We will change. Le langage de Dieu. The language of God. Dieu visite la France. God visits. Avec ce réveil. With this revival. Quand tu es là, oh, c'est rien. You're just like, oh, Lord, oh, c'est rien ça. Nothing here. Mais tu as prié pour ça. But you did pray maintenant, for Dieu that. Te visite. So now the Lord tu ne comprends you. Rien du tout. You don't grasp anything. Tu parles mal aux gens qui arrivent. You speak bad to those oh, who are coming. Oh, ils fatiguent ici là. Oh, they're getting tired mais here. Si tu ne veux pas travailler, assieds-toi. If you don't want to work, sit down. C'est aussi simple que ça. It is as simply as Dieu that. Dieu va prendre des gens qui n'ont rien. The Lord will take qui ne savent rien. Nothing, et ce sont eux qui vont nothing, témoigner l'amour, frères et sœurs. Le langage de Dieu. The language of God. Il y en a quand ils entendent Dieu parler. Some when they hear God speaking to Dieu them. Dit ah.
God says A. Ils entendent Z. They hear Z. Beaucoup me disaient à l'époque, non, il n'écoute personne. Many were saying back in a day, he's listening nobody. He's really stubborn. Mais si Dieu m'a parlé clairement. But if God did speak to mais me je ne peux clearly, pas vous écouter. I cannot listen to you. Et parce que je ne voulais pas écouter. And because I wasn't willing to listen. Dieu honorait. God honored. Dieu parle. God speaks. Quand Dieu parle, and when God speaks, il y a même des hommes spirituels qui peuvent s'opposer. Even spiritual people can oppose themselves to you. Mais tout dépend de ce que tu as compris. But it's all about what you've understood. Oh non, mais tu sais, Dieu m'a parlé, mais... No, you know, the Lord spoke to me, les sentiments nous empêchent de saisir la pensée de Dieu. Blocking us from understanding the message mais and the thought of God. Mais you know, they are my parents. Mais ce pasteur, ça fait des années que nous connaissons. Pastor, it's been years, I know him. Le langage de Dieu. The language of God. On est trop dans les sentiments, nous les humains. We are too much into feelings, we human beings. Mm-hmm. Trop yes. dans les sentiments. Too much. Dieu donne une parole claire. God gives. On veut la mélanger avec les sentiments. Word. We want to mix it with feelings. Non, il faut la sagesse. No, you need wisdom. Tu comprends? You understand? Frère, si Dieu t'a dit brother, A, c'est if A. The Lord said A, it is A. Même si tout le monde dit c'est B, even dit c'est A. Even though everybody says B, même si it tout le monde A. dit c'est pas ça, dit c'est ça la parole de Dieu. Even though everybody says on ne peut pas mélanger it, cette parole, frères et sœurs. We cannot mix this non. word, beloved. Quand Dieu dit l'impudicité, c'est mauvais. When God says fornication is bad. Mais c'est mauvais. It means that it is vous bad. Vous voulez l'interpréter comment? How do you want it to interpret it? Si il dit que convoiter c'est pas bon, vous voulez l'interpréter comment? If he says that covetousness is not good, how do you want it to interpret le, it? Le raisonnement, non, mais vous comprenez, c'est pas ce que Dieu a voulu dire tout ça. You know, with reasoning, no, this is not what the Lord Dieu wanted to say. Tu as dit que ceux qui pêchent, he did say that those who are sont du diable. Those who are sinning are of God, of devils. This is written. Pourquoi autant de sectes? Why are they so much cults? Parce que les gens sont venus avec leur raisonnement. Vous comprenez? Because people c'est came pas vraiment with their ce que tu as voulu dire. You know, this is not what the Lord wanted to say, actually. Pourquoi il n'y a plus la puissance véritable de nos églises? Why there are no longer power, real one parce in our churches? Parce que on a mélangé because la parole de we Dieu. We have remixed the word of enfin, God. Là où il n'y a pas la parole révélée, il n'y a pas la puissance véritable. When there is not a revealed word, there is not authentic. Dieu n'accompagne pas les might. Hommes. The Lord doesn't accompany Dieu men. N'accompagne pas les femmes. Dieu accompagne sa parole. God does not accompany women, he accompanies Alleluia. His words. Il accompagne sa parole. He accompanies his word. Si tu penses que la parole est dure pour toi, ben écoute, fais ce que tu veux. If you think that the word is harsh for you, pas. Do whatever you want to do but don't parce que nous n'avons us. Pas de baguette magique. Because we don't have any magic tricks. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. If somebody diverts his ears from listening God, his prayer is an abomination. Tu veux servir Dieu? You want to serve God? Mais tu as quitté ta femme et tes enfants. But you left your wife and si your tu veux children. Qu'on collabore ensemble, if you want us to repasse ta femme. Go back to your wife. Restaure ta famille. Restore your family. Ça commence par là la parole it de Dieu. Starts with that. Hallelujah! C'est ça la parole de Dieu. This is the word of God. Tu veux vivre le miracle? You want to live a miracle? Ben commence par recevoir la parole écrite. But begin to receive the written word. Si Dieu dit, il ne faut pas être idolâtre, ne soyez if pas idolâtre. God says, you should not be idolaters, don't be. Beaucoup vont en enfer chez les many chrétiens. Many are going to hell in a Christian. Non, mais c'est dur. Oh no, it's really hard. Nous sommes à la fin de temps. We non, are in c'est pas time. La même époque. It is not in the same period. The uh-huh. same period. Mm-hmm. Tout passera, mais mes paroles le passeront point. Everything shall pass away, but my words will not. Beaucoup de gens me disent, viens, on va collaborer. Many are saying, come, let's collaborate. Je peux pas y aller. I'm saying I cannot tu go. Tu as quitté ta femme. You left your wife. Tu as laissé tes enfants you là-bas. Left your children même si ça fait 15 ans. Even if it's been tu dois years, repartir avec you ta must famille. Go back with your family. Mm-hmm. Yes. Comment peut-on savoir que tu as changé? How can we know that you mais did ça change? Restaurera les choses. By restoring things.
Tu veux quoi? Avoir une autre femme que, what je, do you wanna? Que je vienne approuver ça? Having another woman and you want me to go and approve of that? No way. Président ou pas, tout le monde doit être soumis à la president parole. President or not, everybody needs riche to be ou pas, tout le monde est soumis à la parole de Dieu. Le langage well de Dieu. Not, qu'est-ce que Dieu dit actuellement? Of God. What quel God est saying? Le langage de Dieu pour cette génération? What is the language of God for this generation? Cette génération malade, corrompue, this generation polluée. Is corrupted, polluted. Et bien, Dieu l'appelle à la repentance. And God calls c'est ça le message pour cette génération. Generation, la préparation de l'épouse à l'enlèvement. La préparation de l'Église au retour du Messiah. Of the church for the return. Quel est le langage du Seigneur? This is the language ce n'est pas of God. Le ministère. It is not the ministry, si brothers. Tu es dans ce ministère et if tu prends le ministère, in this ministry and je veux t'avertir. After ministry, si I tu ne veux pas, je vais te dénoncer. If you don't repent, I will denounce you. Parce que Dieu peut permettre que tu gères quelque chose pendant un mois, deux mois, trois mois, après because, il change. Because c'est ça, God Dieu. Can allow you to minister something ne one vous accrochez pas au ministère. Don't hold ne to, vous accrochez pas aux sommes. Don't accrochez-vous hold à la parole de Dieu. Accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le message. This is the message, beloved. On ne va pas bâtir une tour de Babel ici. We will not build a tower of Babel up in here. Après Shora, after Shora, avant Shora c'est Jésus. Before Shora it's Jesus. Après Shora c'est Jésus. After Shora it's Jesus. Il n'y a pas de directeur après Shora. Il n'y a pas de directeur après. There is ici no le frère, il y a un seul nom. Le message name, que nous prêchons, un seul nom, un seul Seigneur, un seul chemin, une seule vérité, un seul Dieu, un seul Créateur. Son nom c'est qui? His name is Jesus. Dis à ton voisin, c'est ça le langage de Dieu. C'est ça le message du temps. La révélation de qui? The revelation of who? La révélation de qui? The revelation of Jesus. De qui? Jesus. De qui? Jesus. De qui? Le cri de minuit retentit. The cry of midnight resounds. Voici qui? Here is the voici bridegroom. Le directeur de Didasco. Here is the director of Didasco. Voici no. Le directeur de the tel groupe. Le directeur no. De Documos. The director of Documos. Voici no. Qui? Behold, tiens, ton voisin, c'est ça le message. This is the message. C'est ça le langage this de Dieu. The language of God. Après avoir, after having, à plusieurs reprises, several occasions, et de plusieurs manières, and several ways, parlé à nos pères par les prophètes, to our ancestors, Dieu en ce dernier temps, God, in this nous a parlé, spoke to us, nous a parlé, spoke to us, par le Fils, through the Son. C'est pas que Dieu va nous parler. It's not that the Lord il is nous a déjà parlé. He has spoken le to langage us de Dieu, the language of God, ce ne sont pas les apôtres. It's not about the apostles, ce n'est pas la guérison. It's not about the ce n'est pas le miracle. It's not about the miracles, le langage de the Dieu language of God, s'appelle Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Au commencement était la parole. In the beginning was the la parole word. Était avec Dieu. The word with et la parole était Dieu. And the word was God. En elle était la vie. In him et la vie life. Était la lumière des hommes. And life was the light of men. La parole s'est faite chair. Le langage de the Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Kori lenta pori leka saya ora manta laisha. Il est venu chez les siens. He has come to his own. Et les siens. And his relatives c'est pas le verbe recevoir. Did not receive it. Dans it's le grec, word receive it. Il est dit, il est venu Greek, chez les siens et les siens ne l'ont pas compris. To his belong, to his relatives, les siens ne l'ont pas compris. His relatives did not understand him. La compréhension. Understanding. La parole est semée. The word is sowed. Le long du chemin. Along the way. La personne la reçoit. The person receives mais it, ne la comprend pas. But do not understand et Satan it. Est venu la does voler. Not understand it, and the voyez devil frère, has come. Voyez, tu peux recevoir le message. You see, you can receive the tu peux recevoir Jésus you dans ta vie Jesus in your life et ne pas le comprendre. Marthe avait reçu Jésus dans sa maison, had received Jesus mais elle n'avait pas compris le message de Jésus. She had not understood the message et c'est Marie qui avait compris. Marthe reçoit Jésus. Marthe elle, a Jesus. Elle a cru que Jésus voulait that Jesus wanted la foi dans le service.
see her in the ministry, dans le ministère. Into the service. Mais Jésus ne voulait pas de cela. Jésus voulait les adorateurs. Dieu est esprit. Spirit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia! L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure vient et elle est déjà venue. Nous sommes dans ce temps-là. Dieu demande. Dieu cherche. Non des prédicateurs. Non des apôtres. Non des évangélistes. Non des missionnaires. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Des intercesseurs. Dieu cherche des hommes et des femmes passionnés de Christ. And women passionate comprendre Dieu. Understand God. Ceux qui viennent me voir, oh non, j'ai un problème. Je leur dis, depuis des années, on vous dit, convertissez-vous. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous n'avons pas d'autres projets, d'autres ambitions. Nous n'avons pas d'autres secrets que le langage de Dieu. Convertissez-vous. Repentez-vous. Et Dieu s'occupera de vous. Arrêtez de vous attacher aux hommes. Quit attaching yourself to men. Hallelujah. Hallelujah. Oh non, je viens parce que j'ai des problèmes. Mais ton problème, no, c'est ton péché. I come because I have a sin. I have a problem. Your problem le langage sin. De Dieu, tu dois le the saisir. Language of God, you can understand Jésus it. A été établi par le Père. Jesus has been established by the juge Father. Des vivants et des morts. Just living le pasteur par excellence de Jésus. The pastor by excellence le prophète par excellence the de Jésus. By excellence is l'apôtre des nations, c'est Jésus. Le docteur des docteurs, c'est Jésus. Le guérisseur, c'est Jésus. Le médecin, c'est Jésus. Il est tout pour nous, frères et sœurs. C'est ça le langage de Dieu. Que cherches-tu encore? Que veux-tu encore de plus? What do you want more? Vous voulez les hommes? You see, men? Ils vont démissionner comme le pape. They will resign just like the pope did. Vous voulez les hommes? You see, men? On est fatigué des hommes. We're tired of men. On est fatigué de charlatans. We're tired of on est fatigué qu'on nous parle des hommes. Tired on est fatigué, frères et sœurs. Nous voulons men. Voir. We nous see. Voulons entendre. We nous voulons comprendre we le message du temps. The language, the message of the time. Quel est donc le serviteur prudent et fidèle? What is the conscious servant? And faithful one que ce maître a établi sur ces gens that his master has established pour leur donner la nourriture convenable. To give the food tu peux t'asseoir ici tous les soirs, tous les samedis devant. You can be seated up front every je ne Saturday pas comprendre le message de Dieu. And not understand the message of God. Je vais arriver tôt pour m'asseoir devant. I am going to come early. Tu n'es pas fatigué d'avoir une place assise constamment au même endroit? Are you not tired of having a seat change every time at the same place? Dis à ton voisin, change un peu. Tell the neighbor, change. Le langage de Dieu. The language of God. Oh. Dieu nous a parlé. God has spoken to us. Dieu t'a déjà parlé. God has already spoken to you. Tu veux qu'il te parle comment? What do you want him to speak to you again? Oh, s'il te parle moi en son. Oh, Lord, speak to me mais in dreams. Mais il t'a déjà parlé. But he has already spoken to il you. Il t'a déjà donné les secrets. He has already given you il secrets. Il t'a révélé son secret. He revealed you his secrets already. C'est le Fils. The Son. Voici l'agneau de Dieu. Behold the Lamb of God. Est-ce qu'on a dit voici un apôtre? Did we see? Voici une the église locale. The local church. Alors pourquoi cherches-tu les églises? So now why are you seeking churches? Non, je cherche une bonne église. No, I'm looking for tu a good church. Tu seras toujours fatigué. You'll be tired. Tu seras toujours déçu. You'll be always disappointed. Oh, je cherche une bonne église. Oh, I'm looking for a good ah, je church. Cherche une bonne église. I'm looking for a good church. Oh, venez, j'ai trouvé une bonne oh, église. Oh, come, I've found a good church. Tu vas trouver qu'il y a aussi des caractères bizarres là-dedans. You will find that there are weird characters in this church too. Beaucoup sont plus attachés au ministère qu'à Dieu. Many are way more attached to ministries ah, than they ministère. Are attached to God. This is my ministry, my ministry. Est-ce que tu as épousé le ministère? Did you get married with the ministry? Tu crois qu'au ciel les gens vont prêcher? You believe that in heaven people will preach? Ils vont parler, prophétiser là-bas? Do you think that they are going to prophesy up there? Oh, Michael. Michael. J'ai reçu quelque chose pour toi. I received something for you. Hein? Oh, devant le trône. Oh, Père, j'ai reçu quelque chose pour toi. I received something for you. Le ministère. Ministry. Oh, Gabriel. Oh, Gabriel. Viens, je veux te former. Come, I will train you a bit. C'est comme ça? Is it like that? Nah. No way. Le langage de Dieu. The language of God.
Je veux voir le frère Chouraque, il va même poser les mains, je reçois quelque chose. I want to see the brother Chouraque when he's going to lay hands on me. Voisin, and we receive something. Tell your neighbor nothing. Nothing. Nothing, right? Il va faire ci, il va faire ça. He will do such things. Je veux recevoir. I will receive. Ça c'est comment Naaman. This is Naaman here. Il va secouer sa main. He will just shake his hands like that. Va te laver au Jourdain. Go and watch in the Jordan. Jourdain, 7 fois au Jourdain. Jordan 7 times in the Jordan. Jourdain signifie celui qui descend. Jordan means the one who is going fois. Down. You need to go down 7 times. 7 fois, descend. 7 times, go down. Quitte ta position de général là. Leave your position of general. Va rencontrer le Fils. Go and meet the Son. Après tu vas recevoir. And after you will receive. Le langage de Dieu. The message of the language dit of quoi? God. Name and what non, he said. Jamais. I will never do il that. Il était malade. He was sick. Il voulait la guérison. He wanted healing. Mais il n'a pas compris le langage but de Dieu. He did not understand the language dans of sa God. Tête. In his mind. Dieu devait agir de à sa façon. God needed. God had where to. C'est comme ça que beaucoup sont ici. To act just like he wanted. This is just like that. Je vais faire trois jours à sec. I'm going to fast 3 days. J'aurai un enfant. And I will have my child. Trois jours à sec après. 3 days fast after. La situation pire. The situation pire. Gets worse. Rien. Nothing. Va bouder maintenant. Now go and so. Oh. Je ne veux plus prier. I don't want to pray anymore. Oh, don't pray anymore then. C'est ta vie. It's your life. Tu vas à l'enfer? Vas-y. You want to go to hell? Suit yourself. Tu crois que Dieu va te supplier? You think the Lord is going s'il to beg? S'il te plaît. Please. Viens vers moi. Come to me. Je suis seul. I am on my own. Non, tu n'es pas I am seul. Alone. No, God is not alone. Je mets devant toi la vie et la mort. I am putting in front of you death and life. Tout choose dépend life. De toi. Dieu, ton voisin, ça dépend everything de toi. Depends on you. Tell your neighbor, it's all about you. Depends. It depends on you. Non, moi je suis pas là. Rien ne va marcher. Now, if I'm not here, nothing's gonna work. Dieu, God. Seigneur, t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Father, did you see everything that I have done for you? Regarde toi-même. Look. Comment look. Je suis fort. How strong I am. Dieu dit tout ça là. God says all that? Zéro. Nothing. Mais t'as pas vu comment j'ai souffert? No, didn't you see how much I struggled? J'ai donné tout mon argent. I gave all my money. Il te dit avant que tu ne naisses, l'argent était déjà là. Before you were born, money was already there. Le langage de Dieu. The language of God. Les gens le suivaient Jésus. People was following Jesus. People were following Jesus. Il arrive devant un sycomore. And he walks up to a sycomore. Il s'arrête. And he just. Il lève les yeux. Pulls up. And he looks up. Descend. Zekai. Yeah, Zekai. Aujourd'hui, je mange chez toi. Today, I will eat in your house. Le langage de Dieu. The language of God. Regardez les religieux. Look now the religious il est people. Entré chez un pécheur. Oh, he has entered in il the a mangé avec lui. Sinner's house. C'est pas normal. It's not c'est normal. Pas normal. It's not normal. Le langage de Dieu. The language of God. How does he speak? Quand il te parle. How does he speak to you? Seigneur, montre-moi. Lord, show me. Est-ce que c'est cet homme mon mari? Is this man is my husband? Seigneur, parle-moi. Lord, speak to me. Est-ce que c'est cette femme? Is this woman my wife? Seigneur, dans quel ministère tu m'as appelé? Father, in which ministry on have I been called? On se prend la tête. We are racking our brains. Le langage du Seigneur c'est? The language of God is. C'est? Eh bien, un homme qui vient te voir. So a man who is walking up to you. Prends-le. Take him. Compare-le à Jésus. Compare him with Jesus. C'est simple. Is it as simple as une that? Une femme qui vient. A woman that is walking compare-la up to you. À Jésus. Compare her to Jesus. C'est simple. It is as simply as that. On va aller là-bas. We will go. Il va certainement nous donner de l'eau à boire. Surely he will give us water to drink. Ah, moi j'amène ma bouteille d'eau. So now I'm bringing my bottle of water. Il va with prier me. Dessus. And he's going to pray on it. C'est pas comme ça se passe. It is not like that. That things are working. Dieu est simple. God is really simple. Mais nous n'aimons pas la simplicité.
But we do not love simplicity. Quand c'est compliqué, plus c'est compliqué, mieux c'est pour nous. The more it is difficult, the better it is for us. C'est comme ça que nous sommes, vrai ou faux? This is just like that we are right or wrong. Il m'est arrivé souvent de prier Dieu le soir. Often, when I was praying at night, en lui demandant de me parler la nuit. And when I was asking him to talk to me at night, after. Là, c'est le diable qui vient t'attaquer. Now the devil comes and attacks you. Tu te réveilles, Jean. You wake up and you're like, I'm tired. Il m'a confié une lourde charge. He entrusted me. Je lui demande de me parler. Heavy missions. C'est le diable qui vient. To talk to me, and this is the devil here. This is the devil that comes. Mais c'est pas toi qui décides. But this is not up to you. On m'a parlé du ministère, ministère. Mais pourquoi tu te prends la tête? I've been told about ministry, ministry. Why are you racking your brains with ministry? Regarde. Look. Ça, c'est à qui? Who's this bottle is? Qui croit que c'est à moi? Who believes? Non, disons, c'est ma bouteille, effectivement. C'est ma bouteille. This is my bottle. D'accord? Are we? Do we agree? Je la lui donne. Est-ce qu'elle est encore à moi? Is this bottle Elle est toujours mine? À moi? Is this bottle still mine? Mais pourquoi vais-je m'inquiéter so d'une now, bouteille qui ne m'appartient plus? Why am I getting worried of a bottle that is not mine anymore? Vous donnez vos vies à Christ. You gave your life to Jesus. Et vous êtes là en train de vous inquiéter. And you're like, mais vous regardez. Mais c'est plus vos vies. Watching you is no longer your lives. Mais vous les chrétiens, vous êtes bizarres. You Christian, you are really weird. Oh, je vais mourir. Oh, I'm gonna die. Je sais pas avec qui me marier. I'm not, Seigneur. Il dit mais hey. Mais c'est plus vos vies. But it is no longer your life. Hallelujah. Hallelujah. Si je vis, ce n'est plus moi qui. If I live, it's no longer I who live. But Christ that lives in me. Regarde, ma bouteille est là. My bottle's here. Satan vient pour l'attaquer. Satan comes and attack him. Hey, Seigneur, fais attention, Satan à côté. Lord, pay attention. Je vois le feu là-bas. Le, ici, là, Seigneur. Il dit, mais pourquoi vous vous excitez like, comme why ça? Why are you getting excited like that? Christ est ma. Christ is my. Si je vis, ce n'est plus moi life. Qui. If I live, it is no longer c'est I live. Christ but qui it is vit Christ en moi. That lives in me. D'accord. All right. Tu t'inquiètes de quelqu'un qui ne t'appartient plus. You are worried of somebody that does not belong to Seigneur, you anymore. Seigneur, je vieillis. Father, I'm getting Seigneur, old. Seigneur, t'as vu? Did you see? Seigneur, là, j'avance. Les païens vont dire quoi, Seigneur? Years. What will ma the famille va dire say? Quoi, Seigneur? What will my family say, Lord? Le langage de Dieu. The language of God. Continue à t'inquiéter toujours. Keep worrying. Tu vas gaspiller ta salive. You will spoil your saliva. Dieu est souverain, on l'oublie. Hein? God is sovereign. Often we forget it. Qui ne veut plus s'inquiéter? Qui ne veut plus s'inquiéter de sa vie? Who no longer wants to be worried of the next day in his life? Seigneur, t'as vu? Lord, did you see? Il veut prendre ma place. He wants to take my place. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Please, Lord. Dégage-le. Kick him away. S'il te plaît, Seigneur. Please, Lord. Chasse-le. Kick him out. Oh, j'ai peur, Seigneur. Oh, Lord, I'm afraid. Chrétien. Christian. Chrétien, Christian, la mort. Until I die. Inquiet, worried, jusqu'à la mort. Until I die. Vous avez vu les corps de chrétiens Did qui meurent you see là? The bodies of the Christian that dies? Les corps sont inquiets. The Il n'y a même pas le sourire sur le corps. Are worried. There's no smile on the faces. Ils meurent avec une inquiétude. They die with worry. Ah oui. Ne vous inquiétez de Don't rien. Be worried of nothing. J'aurais voulu voir le visage d'Étienne. I wish I could see the qui face of Stephen that was glowing of the shining glory of God. On va te virer de ton travail. You will be kicked out of your job. C'est pour ton bien. It is for your good. Mm-hmm. Yes. Ne cherche pas le diable. Don't seek the si devil. Tu crains Dieu. If you fear God. N'envoie pas le feu quelque part. Don't send no fire. Dis Seigneur. Someplace. Say Lord. Toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et comme je t'aime, who fear you. Et bien que ton nom soit glorifié. May your name be blessed and glorified. Tu penses que le Seigneur ne sait pas que tu vas approcher, tu t'approches de la cinquantaine? Don't you know that the Lord knows that you are
you are getting on in years. Même une seconde avant ta mort. Even 1 second before your death. Ton mari peut te faire un bisou et puis ta your husband can kiss coucou, you revoir. And on se retrouve là-haut. We find each other. Comme ça, tu vas mourir avec fierté. So now you are going to die with pride. Au moins, j'ai connu le mariage, Seigneur. Merci. At least I knew marriage, Lord. Le langage du Seigneur. The language of the Lord. Combien n'ont-ils pas échoué? How many did fail? Ils ont essayé telle chose, ça va pas marcher. They tried such things, ça va pas marcher. Telle autre chose, such other things. Oh, no, no, no. Qui ne veut plus tourner en rond? Who no longer want to turn in circle? Lord, I give up to worship the glory. Oh, Seigneur. Nos cultures, our cultures, le péché, sin, les propos des autres, the words of people, le regard des autres, the look of people, Satan, les démons, Satan and toutes the demons, ces choses peuvent all these things can nous empêcher de saisir le langage stop de Dieu. Us from understanding the message of God. Tu t'approches d'une sœur, you're walking up to a sister, elle te rembarre, she elle te refuse, sends you packing, she refuses you. Laisse-la. Just let her go. Pray, Dieu. Pray God, leave her alone. Pourquoi pleurer? Why cry? Tu vas l'entêter. You are going to get her stillborn. Mais un enfant de Dieu dira. But a true child of God Seigneur, will say, que ton nom soit béni. Lord, may your name be blessed. Car si elle refuse, for if she refuses, ça veut dire que tu as quelqu'un de mieux. It means that you've got somebody better for me. Sois calme. Be still. Dieu veut que tu ailles à l'hôpital. God wants you to go at the hospital. Peut-être c'est pour évangéliser. Maybe it is for evangelizing. Bénis Dieu. Bless God. Les gens te critiquent. People criticize you. Ne t'arrête pas là-dessus. Don't stop on their sayings, on their words. Bénis Dieu. Rather, bless God. Qui demande au Seigneur la sanctification? Who ask God for sanctification? Okay. Right. Okay. Seigneur, je veux me sanctifier. Lord, I want to sanctify. Seigneur, je veux me sanctifier. I want to sanctify. Tu sors de chez toi. You come out of your house. Un ex apparaît. An ex man, an ex of your, an ex boyfriend oh, comes. Oh, joli. How pretty you are. Là, c'est le langage du Seigneur. This is the language of the Lord. C'est pour voir si tu l'aimes réellement. It's just to see if you really tu demandes la sanctification. You ask for sanctification. Il te met à l'épreuve. It tests you. Oh, chérie. Oh, my sweetheart. Moi aussi, je t'aime. I love you too. Oh, la Bible, je la ferme pendant quelques jours. Oh, the Bible, I shut it for several days. Tu vas comprendre. The Lord will understand. Voilà, le langage de Dieu. Et là, tu pleures. And here, God cries. God cries. Seigneur, je veux te craindre. Lord, I want to fear you. Seigneur, je veux te craindre. I want to fear you. Et le téléphone sonne. And the cell phone rings. Un ex que tu n'as pas vu depuis 10 ans. An ex-boyfriend that you haven't seen for 10 years. Comment vas-tu? How are you doing? Mais qui es-tu? Who are you? Ah, tu ne reconnais plus ma you voix? You don't recognize my voice. Mais qui es-tu? Who are you? Ah, c'est moi, Jacques. I am James. Oh, Jacques. Oh, James. Et là, tu as fait 3 jours de jeûne. And you had 3 days of fast. Ah, Dieu, merci. God, thank you. Merci, merci, Seigneur. Thank Jacques, you, Lord. Thank Jacques you. Est revenu. James has come back. L'amour de ma vie. The love of my heart. Et là, la prière on met de côté. And now on prayer is set aside. Le langage de Dieu. The language of God. Jésus a eu faim. God, Jesus was il voulait hungry. Manger, n'est-ce pas? He wanted to eat, didn't Et he? Qui est venu lui parler? And who came to speak qui est venu lui parler? Who came to speak Est-ce to que him? C'est Dieu qui est venu tout de suite? Did God came? Did God come? Si tu veux te marier, if you want to get married, celui qui viendra en premier, c'est le diable. The one who is come first is the devil. Et Dieu va te regarder. And the Lord is going to look at you. Tu veux des collaborateurs dans le ministère? You want collab? You Ceux want qui viendront premièrement, ce sont ministry, les satanistes. Those who will come in the first place will be the satanists. Dieu nous a montré que c'est toi. God has showed us that it is you. Tu veux te marier? You want to get married? Tout le monde s'oppose. Everybody oppose themselves Est-ce que against tu penses you? Que Dieu n'est pas capable de broyer le cœur de cette personne Do you qui think refuse? That the Lord is not able to change the heart of those who are refusing? Mais il est capable. He is able. C'est quelque part Dieu veut t'enseigner quelque But chose. But somehow the Lord wants to teach you something. Il faut interpréter son langage. But you need to interpret his language. Ta femme tombe enceinte. Your wife is pregnant. Elle perd l'enfant. She, 3 mois, 4 mois après. She is having a miscarriage five months after. How can it be? Le langage de Dieu. The language of God.
on est parfois nous sommes têtus. Sometimes we are really stubborn. Mm-hmm. Yes. Dur. Really hard. And harsh. Il y en a ici là, ils luttent avec Dieu depuis 10 ans, 15 ans. Some here, some people here has been struggling with the Lord for 10 years. Ils luttent. They struggle. Ils résistent. They resist. They withstand. C'est pour ça que tu souffres comme ça. And that's why you suffer so much. Ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, levez-les. Those who want to surrender their hearts to Jesus, raise your hands.